Dans cette publicité américaine pour un médicament anti-cholestérol, on comprend qu'un mal insidieux peut nous ronger alors même qu'on se croit en bonne santé. Depuis 60 ans, le cholestérol est l'objet d'oppositions scientifiques féroces et de revenus industriels colossaux. Quels arguments, quelles forces nous conduisent à croire que le cholestérol est un nuisible colonisant nos artères? Comment s'est construit le dogme d'un cholestérol coupable alors qu'il est une substance indispensable à la vie? The story we want to tell you today is really sort of a detective story, and it has a complicated plot. The killer is cardiovascular disease, heart failure as some of us call it. The victims or potential victims are you and me. And the detectives are a team of scientists operating at the University of Minnesota. The facts are simple. You know the chief killer of Americans is cardiovascular disease, disorders and degeneration of the heart and blood vessels. Of 10 men, we can expect 5 to get it. Dans les années 50, il y a eu cette vague de maladies cardiaques. De nombreux hommes dans la force de l'âge succombaient à des crises cardiaques et il y avait un véritable sentiment de panique dans le pays. Ces hommes, leur père n'avait jamais eu ces problèmes, c'était un phénomène nouveau. En 1955, le président Eisenhower lui-même a eu une crise cardiaque et a été absent du bureau ovale pendant 10 jours. Vous pouvez imaginer la panique dans le pays tout entier. The eyes of the nation and the world were focused on Fitzsimmons Army Hospital in Denver, where Major John Eisenhower and White House Press Secretary James Hagerty arrived during the first hours after word that President Dwight D. Eisenhower had suffered a heart attack. Boston specialist Dr. Paul Dudley White, arriving with Mr. Hagerty, described tissue injury to an anterior heart wall as a moderate attack. En Europe, elle était en train de se reconstruire, l'Europe, elle était dans des difficultés, elle n'en était pas à penser à son cholestérol à l'époque, mais bien sûr, la science progressait et donc on commençait à s'intéresser aux facteurs de risque cardiovasculaire et notamment au cholestérol. On avait trouvé du cholestérol dans les artères, on se disait peut-être qu'on va pouvoir agir là-dessus. On avait trouvé aussi du calcaire, hein, du calcium, comme dans une cafetière encrassée, mais pour autant, on ne se disait pas qu'on allait boire de l'eau sans calcaire. Mais bon, le cholestérol, c'était le gras, c'était la bonne chair, c'était l'embonpoint, donc c'était le coupable idéal finalement. Il y avait un sentiment d'urgence à trouver ce qui causait ces maladies cardiaques. Il y avait des tas d'hypothèses, une déficience en certaines vitamines, la pollution, etc. Et puis Ansel Keys, qui était chercheur à l'Université du Minnesota, a avancé l'idée que le coupable, c'était les graisses saturées. Ces graisses faisaient grimper le taux de cholestérol total, qui à son tour bouchait les artères et causait les crises cardiaques. On appelait ça l'hypothèse du régime du cœur. Here are vital statistics. They show that this problem here in America is the worst in the world. Probably our mode of life and our diet are involved. But the trouble is, we just don't know enough about it. It strikes without warning. Quand le président Eisenhower a eu sa crise cardiaque, Keys est arrivé sur le devant de la scène parce que le docteur arrivé en avion pour soigner le président l'a immédiatement mis au régime sans gras et a déclaré que c'était son alimentation qui avait causé sa crise cardiaque et pas du tout le fait qu'il fumait comme une cheminée. À l'origine de l'hypothèse de Keys, il y a cette maladie, le xanthome, qui provoque des boules de graisse sous la peau, sur les paupières. Et ces dépôts sont pleins de cholestérol. L'idée était qu'il y en avait aussi à l'intérieur des artères et qu'ils en provoquaient l'obstruction. Donc le cholestérol a été en quelque sorte le premier démon pointé du doigt. Keys avance cette hypothèse et les chercheurs commencent à la tester. Mais très vite, la communauté scientifique en parle comme si c'était établi. Il faut juste confirmer. Ce qu'ils en disent alors, c'est « on a juste besoin de mettre les points sur les i et les barres au t ». Ansel Keys lance en 1958 une étude d'une ampleur inédite sur le terrain de 7 pays. Grèce, Yougoslavie, Italie, Pays-Bas, Finlande, États-Unis et Japon. Au centre de ces observations,
le lien statistique entre l'alimentation, notamment les graisses, le taux de cholestérol et le risque cardiovasculaire des populations. Voilà un exercice avec un escalier en Serbie. Les hommes n'avaient jamais fait de vélo. On a donc dû utiliser cet escalier pour le test d'effort. Là, c'est un échantillon de nourriture que nous prélevions. Là, Margaret Keys qui installe les instruments d'analyse du cholestérol. Nous avons examiné environ 14 000 hommes dans 14 régions de 7 pays. Des gens nous ont appelés de Finlande disant « On a le plus haut taux de crise cardiaque du monde, venez !» Et des Japonais qui nous ont invités aussi. Voilà comment le choix des pays s'est fait. Après avoir assuré une grande variété de ce que vous étudiez, tout dépend de la coopération sur le terrain. Les conclusions de l'étude des sept pays sont qu'il y a des différences très importantes dans la survenue des crises cardiaques dans ces différentes cultures, de 5 à 10 fois plus. On a trouvé des différences la première fois qu'on les a examinées. On était encore plus sûr 5 ans plus tard et encore plus sûr 10 ans plus tard. Les taux de cholestérol étaient incroyablement différents. La distribution du taux de cholestérol au Japon est comme ça, en Finlande comme ça, et il y a un tout petit segment commun. C'est-à-dire que le taux de cholestérol le plus haut du Japon coïncide à peine avec le taux de cholestérol le plus bas de Finlande. C'est tellement parlant. Ansel Keys va faire une mauvaise science qui consiste à fabriquer des faits qui vont valider son hypothèse. Alors, il publie une courbe. Alors, vous voyez ici, vous avez un graphique. Là, ici, c'est le nombre de gens qui meurent. Et là, c'est la consommation de graisse dans les populations. Et alors, vous avez ici le Japon, l'Italie, l'Angleterre, l'Australie, le Canada, les USA. Alors, quand vous regardez ça, vous vous dites, ah bah oui, en effet, plus on mange de gras, plus on fait d'infarctus, c'est facile, c'est prouvé. Oui, sauf qu'il a fait quelque chose qui n'est pas bien, c'est qu'il a sélectionné les données qui vraiment validaient son point de vue. Et en fait, quand vous regardez, bah, vous avez d'autres pays. Ici, vous avez la France, qui a donc un taux d'infarctus qui est de niveau 1, je dirais. Ici, vous avez la Finlande, qui a un taux d'infarctus de niveau 7, alors qu'ils sont sur la même ligne de consommation de matière grasse. Donc vous voyez qu'il y a quelque chose qui ne colle pas du tout avec l'hypothèse. Comment peut-on avoir un taux d'infarctus qui varie de 1 à 7, alors que vous avez la même consommation de matière grasse? Donc ça, ce n'est pas quelque chose qui valide le lien direct entre la consommation de matière grasse et le taux d'infarctus. En fait, il a illustré une maxime de Churchill qui disait « Je ne crois qu'aux statistiques que j'ai falsifiées moi-même ». Eh bien, en effet, Ansel Keys, il a un peu falsifié ses statistiques, c'est-à-dire qu'il a sélectionné les résultats qui alimentent son hypothèse. C'est de la très mauvaise science. Ça se fait régulièrement. Il aurait fallu qu'il soit contesté, et il l'a été. Il a été contesté parce qu'il y a deux statisticiens qui lui ont dit « Mais dites donc, c'est pas possible votre truc, vous avez juste sélectionné les données qui collent avec votre hypothèse, c'est pas de la bonne science », et donc ils ont publié une contestation des travaux d'Ansel Keys. Alors il l'a très mal pris, il a recueilli des fonds très importants, et s'est lancé dans une autre étude, cette fois-ci il a fait des dosages de cholestérol, et il publie l'étude des 7 pays, c'est-à-dire qu'il va cette fois-ci trouver une corrélation, un lien statistique, entre d'une part le taux de cholestérol moyen des populations avec leur taux d'infarctus. Et de nouveau, il trace une droite avec des points qui semblent assez bien collés avec sa théorie. Le problème, c'est qu'il n'a toujours pas pris les 22 pays, il prend une sélection de pays qui vont bien avec sa théorie, et par exemple la France, elle dérange tout le monde, parce qu'on a un taux de cholestérol moyen qui est plutôt supérieur à la moyenne, et on s'obstine à être les champions du monde de non-infarctus. Et donc, par exemple, il ne l'apprend pas. Et donc, on est toujours dans cette manipulation des données, c'est-à-dire qu'on n'essaye pas de valider une hypothèse, on essaye de prouver que l'hypothèse est bonne en manipulant la réalité. Et ça, c'est très mal, et ça va embarquer l'Europe, les pays occidentaux, dans une guerre contre le cholestérol qui aura des implications énormes et qui n'est finalement pas fondée sur des choses solides. It's a normal human instinct. C'est humain de voir seulement ce qui nous arrange et d'ignorer les arguments contraires. Mais les scientifiques ont appris à résister à cet instinct.
Ils savent expérimenter avec rigueur et être sceptiques de leurs propres idées. Ça, c'est l'entraînement d'un scientifique. Mais là, de manière répétée, ça n'est pas le cas. Ansel Keys en est l'exemple le plus incroyable. Il disait « J'ai raison jusqu'à ce que vous me prouviez le contraire. » 22 years ago, the nation's first major program aimed at finding how widespread heart disease is, how it develops, and what its causes are. More than 5,000 people were examined regularly, and the Framingham study, just renewed after producing remarkable results, is now testing a second generation. Les Américains ont fait quelque chose de très intelligent. Ils ont pris une petite commune qui s'appelle Framingham et ils ont décidé de suivre tous les habitants, parce que c'était une ville où les gens ne bougeaient pas beaucoup, hein, de suivre tous les habitants pendant 30 ans. Et d'analyser tout ce qu'ils mangeaient, tout ce qu'ils faisaient pour chercher des liens entre l'alimentation, finalement, et la survenue d'événements cardiovasculaires, ce qui aurait permis d'avoir des hypothèses. L'étude de Framingham a complètement confirmé que le tabac était une cause, que l'hypertension était une cause, que la sédentarité était une cause. Par contre, ils ont été très déçus, les investigateurs, de constater qu'il n'y avait aucune relation entre le cholestérol et le risque de maladies cardiovasculaires. Pour chaque baisse d'un milligramme par décilitre de cholestérol sanguin, on note une augmentation de 11% de la mortalité générale et de la mortalité cardiovasculaire. Donc, parmi les personnes dont le cholestérol avait baissé au cours de ces 30 années, il y en avait plus qui étaient morts d'un infarctus que parmi ceux dont le cholestérol était resté stable ou avait augmenté. Bon, alors comment les investigateurs de Framingham vont se débrouiller avec ces résultats décevants concernant le cholestérol? Ils vont avoir de la chance parce que juste à ce moment-là, on va introduire en biologie médicale une nouvelle technique qui permet de séparer différentes fractions des lipoprotéines, des transporteurs du cholestérol. Et on va identifier ce qu'on appelle des HDL et des LDL avec des densités différentes. Et ils sont chanceux parce qu'ils constatent que les HDL, qu'ils vont appeler bon cholestérol, eh bien, ils sont associés avec une diminution du risque cardiovasculaire. Ce n'est pas très, très significatif, mais ça l'est. Et du coup, l'autre fraction du cholestérol, les LDL, c'est une lipoprotéine, ce n'est pas seulement du cholestérol, va être appelé le mauvais cholestérol. We think the bad cholesterols are all in part of a system that go out and deposit this in the arteries of your heart and the brain, all these cholesterol deposits. We think the good one goes out and tries to take that away, tries to undo all that. So we feel that how you turn out in life is the outcome of that battle between the good and the bad. Le cholestérol est une molécule précieuse pour le corps. Donc la plus grande partie de notre cholestérol est fabriquée par le foie. Selon les études, on trouve entre 70 et 80% du cholestérol qui est fabriqué par le foie. Et le reste est apporté par l'alimentation. On va partir du foie. Et ce foie, en fait, va produire le premier type de cholestérol qu'on appelle le cholestérol LDL. Alors, que veut dire, en fait, LDL? En fait, le LDL, c'est une lipoprotéine. C'est-à-dire, c'est un assemblage avec des graisses et des protéines. Moi, j'appelle ça un petit sous-marin. Donc, souvent, je dessine un petit sous-marin, comme ça, où, en fait, on a des molécules de cholestérol à l'extérieur et on a des molécules de cholestérol aussi à l'intérieur, dans ce qu'on appelle la cargaison. Et à l'intérieur, on va trouver des vitamines, des graisses. Donc ces graisses sont sous forme de triglycérides. Et puis des vitamines. Les trois vitamines, c'est les vitamines A, D, E, K, avec aussi du cholestérol. Ce petit sous-marin-là, il va aller vers les organes. Et en fait, il va aller s'arrimer à une cellule. Donc vous allez avoir un récepteur que la cellule, en fait, va émettre pour dire « j'ai besoin qu'on me livre en triglycérides, en cholestérol et en vitamines liposolubles ». Et puis parfois, la cellule va avoir trop de cholestérol, donc à ce moment-là, elle va faire la même chose. Elle va dire « j'ai besoin qu'on me débarrasse de cet excès de cholestérol ou de choses qui sont un petit peu abîmées ». Et donc, on va avoir un autre type de lipoprotéine. Donc on va appeler cette fois le HDL. Et c'est le même type de sous-marin qui va venir s'arrimer à la cellule et ramener vers le foie, ici je vais écrire que c'est le foie, ramener vers le foie les choses dont la cellule n'a plus besoin, qui sont abîmées ou qui sont en excès. Et c'est pour ça qu'on attribue à ce HDL un rôle entre guillemets
dit déboueur, puisqu'il va ramener des choses dont la cellule n'a plus besoin. Et c'est aussi pour ça que dans la tête des gens, le HDL, il a ce rôle de nettoyeur, alors que le LDL, il a plutôt un rôle d'encrasseur, parce qu'il va livrer des choses. Pour montrer à quel point cette histoire de bon cholestérol et de mauvais cholestérol est ridicule ou absurde, on pourrait aussi dire qu'ici, ce serait l'hôpital. Ici, ce serait le lieu d'un accident. Et dans ce cas-là, l'ambulance qui va vers l'accident, on va le dire qu'elle est mauvaise. Alors que l'ambulance qui revient vers l'hôpital, on va dire qu'elle est bonne. L'organe qui est le plus riche en cholestérol, c'est le cerveau. Il est important dans le fonctionnement du neurone lui-même, bien sûr, mais il est surtout important dans la transmission des influx nerveux, la transmission de l'électricité, c'est ça le fonctionnement du cerveau, d'un neurone vers un autre. Et vous savez qu'il y a des tubes, un peu comme des tubes électriques, qui partent d'un axone pour aller, qui partent d'un neurone pour aller vers un autre. On appelle ça des axones. Ces axones, pour être parfaitement fonctionnels, ils doivent être protégés par ce qu'on appelle une substance qui est la myéline, et la myéline, c'est essentiellement du cholestérol. Donc si vous avez un déficit de production du cholestérol dans le cerveau, le premier effet, ça sera un déficit de l'intégrité de la myéline, c'est-à-dire la protection de l'axone. Le cerveau est l'organe le plus riche en cholestérol de tout le corps humain. Mais le cholestérol produit par le foie ne passe pas la barrière protectrice du cerveau. Des chercheurs tentent d'expliquer comment le niveau de cholestérol peut néanmoins être maintenu dans cet organe. Ce qui est au cœur de notre recherche, c'est de savoir quelles cellules du cerveau produisent du cholestérol pour le cerveau. Dans le cerveau, il y a des neurones et des cellules gliales qui ont des fonctions très variées. Un type de cellules gliales nous a particulièrement intéressés. Ce sont les astrocytes. On les appelle ainsi parce qu'elles sont en forme d'étoiles. Notre hypothèse, c'est que les astrocytes fabriquent le cholestérol, qui est ensuite mis à la disposition du métabolisme du cerveau. Le cerveau est autonome. Il a pour ainsi dire sa propre fabrique de cholestérol. Promise presents Tom and Jerry in Butter Trouble. Buttery Light has 85% less saturated fat and no cholesterol. So it's a better choice than butter to help reduce the risk of heart disease. Are you still eating butter? On peut comparer ces acides gras à un véhicule avec plusieurs places. Et pour les acides gras saturés, toutes les places vont être occupées. Donc les acides gras saturés, on peut les trouver dans le suif, dans la graisse de canard, le beurre aussi, le saindoux. Donc on a une graisse qui est stable et qui est solide à température ambiante. Pour les acides gras monoinsaturés, on va retrouver la même structure, mais il va y avoir une place qui est libre. Donc là, ce sont les acides gras monoinsaturés. Là, l'une des huiles qu'on connaît le plus, c'est l'huile d'olive. Et enfin, on va avoir des huiles polyinsaturées, des acides gras polyinsaturés. Et là, il y aura dans ces acides gras plusieurs places libres. Donc ici, en huile polyinsaturée, on peut avoir le colza, le coton, le maïs. Alors, dans beaucoup d'études, ces huiles font effectivement baisser le cholestérol. Les graisses monoinsaturées, le type huile d'olive, ont un effet assez neutre sur le cholestérol. Et dans beaucoup d'études qui ont été mises en avant par les gens qui, à cette époque-là, ont mis en place ce dogme, les graisses saturées, dans certaines études, donc, faisaient monter le cholestérol, mais pas dans toutes les études. La découverte que les huiles végétales abaissent le taux de cholestérol va entraîner une forte imbrication de la recherche sur les maladies cardiovasculaires avec l'industrie agroalimentaire, grande utilisatrice de ces huiles pour ses préparations.
comme dans ce film promotionnel de Best Food, un géant de l'agroalimentaire, avec Jeremy Stamler, proéminent chercheur de l'époque, partisan avec Ansel Keys d'une réduction drastique du cholestérol. Cheese is a long-time favorite of mine, like many people. I guess that and ice cream are the two high-fat products that I've always liked the most and I find it hardest to use self-restraint on. But we hope to have modified cheeses in quantity and of good quality. We don't yet. We have a few, very limited supply, and not high quality in terms of taste and flavor. But the industry is working on this, and I'm sure if we got to the moon, we can solve this problem. Cette histoire de cholestérol immédiatement est entrée en relation avec des intérêts industriels notamment. D'une part, et surtout au début de l'industrie agroalimentaire, qui s'est mis à sélectionner et à promouvoir des aliments qui allaient dans le sens des recommandations d'Ansel Keys, qui justement disait « il faut manger moins gras, il faut faire... » Donc il y a eu une véritable convergence d'intérêts entre l'industrie agroalimentaire et ce qu'on appelait à ce moment-là déjà les prohibitionnistes du cholestérol, ceux qui voulaient absolument considérer le cholestérol comme l'ennemi public numéro un. Et donc là, l'industrie va trouver le moyen de stabiliser ces graisses polyinsaturées, ces graisses végétales, pour en faire des matières qui vont être stables, comme du beurre, mais qui vont être moins chères que du beurre et qui vont avoir cet argument qu'elles sont faites à partir de matières graisses végétales. Donc on va avoir à ce moment-là des graisses polyinsaturées, mais on va les hydrogéner. Et donc on va pouvoir faire entrer à l'intérieur de ces molécules de l'hydrogène, qui va venir compléter les places libres et qui va donc faire quelque chose qui ressemble en fait en structure à ces acides gras saturés. Et quand on fait ces processus d'hydrogénation, 100% des graisses ne vont pas être hydrogénées. Donc on va se retrouver avec certaines graisses qui sont un petit peu différentes, qui vont avoir une hydrogénation partielle. Et ces graisses donc, ne vont pas être, vont avoir un nouveau nom, on va les appeler ces graisses-là des graisses trans. Donc des acides gras trans. Comment passe-t-on de l'huile liquide extraite des graines à une matière grasse solide comme l'est le beurre? C'est tout un processus. D'abord, on extrait l'huile des graines à très haute température, et ce qui en ressort est un magma noir, infâme. C'est dégoûtant. Ensuite, on le nettoie un peu et intervient l'hydrogénation partielle. On mélange l'huile avec de la poudre de nickel et dans un grand réacteur à haute température et sous haute pression, on injecte de l'hydrogène. Ce qui rentre dans ce réacteur, c'est de l'huile liquide. Ce qui en ressort est une chose semi-solide qui ressemble à du fromage de campagne gris. Il faut le nettoyer, puis ajouter des émulsifiants pour enlever les grumeaux. Puis c'est passé à la vapeur pour le débarrasser de l'odeur terrible. Ce truc est horrible. Et puis c'est blanchi pour enlever la couleur grise. À ce stade, on a ce qu'on appelle de la pure matière grasse végétale qui est utilisée dans tous les biscuits, les crackers. Dans les années 70, Marie Hennig a commencé à s'intéresser à tout cela. Elle s'est aperçue que l'augmentation de la consommation de graisses trans était parallèle à l'augmentation des cancers. C'est seulement une association, mais elle l'a notée, et quand elle a commencé à poser des questions, elle a eu des expériences du style des industriels, des huiles végétales débarquées dans son bureau. Le président de l'association des producteurs de margarine est venu lui dire qu'elle avait intérêt à arrêter cette recherche. Elle a raconté que l'éditeur d'un journal où un de ses articles devait paraître a reçu des coups de fil pour essayer d'annuler sa publication. J'ai parlé à des gens de l'Association pour la promotion des huiles et matières grasses végétales, un lobby à Washington.
Ils ont un conseil scientifique et ses membres m'ont confirmé que tous les coups étaient permis pour défendre leurs produits. The recipe calls for one egg and a half a cup of milk. We throw away the yolk. I shouldn't say that. We give some of the yolk to our dog because it's good for his coat and he's more resistant than humans to hardening the arteries. No joke. This is what we actually do. And we use the egg white. Instead of one egg white, we use two. And we use oil instead of the egg yolk. So we up the amount of oil. Instead of two tablespoons, we make it three. And a half a cup of milk, we make it our business to use skim milk instead of whole milk. People have been our guests for waffles, for pancakes, Saturday, Sunday morning for breakfast for years. Nobody ever knows the difference. This little book, Your Heart Has Nine Lives. Ce petit livre, intitulé Votre cœur a neuf vies, par le docteur Jeremy Stamler, a été envoyé à des milliers de médecins à travers le pays. Thousands of doctors. All over the country. On lit ici, cette édition spéciale est publiée par Pocket Book en association avec l'entreprise Corn Products. C'est donc sponsorisé par les huiles de maïs. Et à la fin du livre, il y a une publicité pour la margarine et pour l'huile Mazola. Le reste du livre est consacré à la science et aux crises cardiaques. Heart disease is the nation's number one killer. You make me feel so young. An estimated 60 million Americans have high serum cholesterol. You make me feel there are songs to be sung. Too much saturated fat may be bad for your heart. And every time I see you grin. Bad for your heart. I am such a happy individual. For your heart. In 1948, Procter & Gamble. En 1948, le groupe Procter & Gamble, fabricant de l'huile Crisco, une huile végétale, a désigné l'Association américaine du cœur comme bénéficiaire des gains d'un concours appelé le Walking Man. Du jour au lendemain, et c'est dans l'histoire officielle de l'Association américaine du cœur, ils ont reçu des millions de dollars. Et cela les a propulsés vers ce qu'ils sont aujourd'hui, une association nationale avec des succursales dans tout le pays. L'argent s'est mis à couler à flot. Et ce sont les mots mêmes dans l'histoire officielle de l'association. Et par la suite, l'Association américaine du cœur a commencé à recommander de remplacer les graisses saturées par les huiles polyinsaturées que sont les huiles végétales. C'était évidemment un énorme soutien pour des produits comme l'huile Crisco. Betsy Jenkins pie wins first prize, but it's upside down. Had to show off my flaky bottom crust. Bottom crust? Flaky? Impossible. Not with Crisco. Crisco's the shortening that blends in easy. The American Heart Association. Le rôle de l'Association américaine du cœur a évolué d'un soutien à la recherche autour des maladies cardiaques, comme c'était le cas au début, vers un rôle d'informateur sur ces maladies. Ce qui signifiait faire peur aux gens avec les maladies du cœur pour qu'ils donnent de l'argent à l'Association américaine du cœur, de sorte qu'elle puisse dépenser encore plus d'argent pour faire peur avec la maladie et au passage créer des postes bien confortables. Plusieurs hypothèses bataillent contre l'écrasante théorie du cholestérol. Kilmer McCulley découvre le cas de très jeunes enfants morts d'infarctus. Atteints d'un défaut génétique rare, ils ne fixent pas les vitamines B, ce qui engendre une trop grande quantité d'une substance appelée homocystéine dans l'organisme. McCulley fait l'hypothèse que les plaques dans les artères se développent lorsque cette homocystéine est en excès. J'ai commencé à tester mon hypothèse avec des animaux. Nous avons injecté de l'homocystéine à des lapins. Et nous avons examiné leurs artères. Et en 2 ou 3 semaines, les plaques apparaissaient dans les artères. Je ne peux vous expliquer à quel point c'était excitant de voir ces plaques. D'avoir une théorie, de la tester et de voir le résultat de ses propres yeux. C'était indescriptible. «
Quand en 1969, j'ai publié mon premier article sur ces enfants et cette maladie, j'ai été interloqué de recevoir plus de 400 demandes de reproduction de l'article. J'étais très prudent dans ce que j'ai avancé. Pour moi, les dégâts dans les artères provoqués par l'homocystéine intervenaient d'abord et les dépôts de cholestérol étaient secondaires. Mais ça n'est pas très bien passé auprès des tenants de la théorie du cholestérol. Et je n'étais pas vraiment préparé à ce qui allait arriver. La première chose qui s'est passée, on m'a transféré avec les araignées et les blattes dans le sous-sol d'un building construit en 1811. Je me suis retrouvé seul dans un labo sans fenêtre. Mes collègues ont fui les uns après les autres. Du coup, je suis resté seul avec un technicien. Et on m'a dit, il faut que tu trouves des financements. On ne peut pas payer ton salaire, il faut partir. Je me souviens de cet appel. Le directeur de la communication de l'hôpital général du Massachusetts m'a dit de la fermer et qu'il ne voulait plus jamais entendre le nom de McCulley associé avec l'hôpital ou avec Harvard. J'ai dit à ma femme à l'époque, s'il y avait quelque chose qui clochait avec ma théorie, si ça n'avait aucun sens ou aucun intérêt, personne n'y prêterait attention. La raison pour laquelle on s'y arrêtait, c'est que ça constituait une menace pour quelqu'un ou ça dérangeait quelque chose que je ne comprenais pas et qui me valait ce blackballage. Our segment 3 this evening, the second in a series on heart attacks and what causes them. The Japanese have a low heart attack rate. Their diet contains little animal fat or cholesterol. Americans get many more heart attacks, and they eat much more cholesterol. Such comparisons first convinced many doctors that Americans should change their eating habits. Dr. George Mann, a veteran heart researcher, says diet has nothing to do with heart disease. Dr. Mann points to his own studies with the Maasai tribe of Tanzania. Dr. Mann thinks part of the reason is that the Maasai get a lot of exercise. The reason that there is no evidence on the exercise issue is because we've spent our money and our time and our people belaboring this ailing diet heart hypothesis. George Mann would go, you know, you could go to George Mann est allé au Kenya et a étudié les guerriers Maasai qui vivent principalement de viande, de sang, de lait de leurs troupeaux. C'était un régime extrêmement riche en graisse saturée. Et ils n'avaient pas de maladie cardiaque. Ils avaient un taux de cholestérol très élevé, mais pas de maladie cardiaque. Il était très amer. Il m'a raconté, et cela ne m'étonne pas car j'ai entendu des histoires similaires de la part d'autres chercheurs, qu'un jour, il était à l'Institut national de la santé, où il avait d'ailleurs occupé des positions prestigieuses. Une secrétaire l'a appelé dans le couloir et lui a dit « Dr. Mann, si vous continuez à vous opposer à Ansel Keys, vous allez perdre vos financements de recherche. » Et quelques temps plus tard, ce fut le cas. Et il s'est mis à dénoncer davantage ce qu'il appelait la mafia du régime du cœur. Ce groupe de gens avec Ansel Keys, Jeremy Stamler, Ivan France, une petite coterie d'experts qui semblait contrôler les débats sur la nutrition. On leur confiait les principales études. Ils faisaient partie des panels d'experts qui accordaient les financements de recherche à l'Institut de la Santé. Ils étaient lecteurs dans les principaux journaux scientifiques. Ils se validaient mutuellement leurs articles. Bref, pour George Mann, cela ressemblait à une mafia. Mes chers auditeurs, en ce moment, le peloton monte vers le col ayant mis ce maillot jaune. Je ne le vois pas, il se perd dans le brouillard, ce n'est pas possible. Ah, le voilà. Mais que se passe-t-il? Il a l'air de payer aujourd'hui ses efforts d'hier. Oh, il n'en peut plus. Voilà qui s'arrête. Va-t-il abandonner? Un spectateur vient l'encourager. Mais quoi, il veut le nourrir? Inutile, il n'a pas faim. Ah, du sucre. Bonne idée, ça. Des chercheurs ont noté que l'introduction du sucre chez les populations indigènes déclenche des maladies cardiaques jusqu'alors inconnues.
Christine Kearns vient de découvrir des documents confidentiels internes à l'industrie sucrière qui prouvent que cette industrie a subventionné des recherches dès les années 60 pour détourner l'attention du sucre et faire du cholestérol le seul responsable des maladies cardiaques. John Yudkin était un physiologiste britannique très préoccupé par le lien entre consommation de sucre et maladies cardiaques. Il était vraiment devenu le porte-parole de ceux qui voyaient dans le sucre un risque cardiovasculaire. Et il avait réussi à capter l'attention des médias et du grand public. Et en 1964, l'industrie du sucre a commencé à sérieusement s'inquiéter des preuves qui émergeaient liant sucre et maladies cardiovasculaires. John Hixon, le vice-président de la Sugar Research Foundation, a déclaré qu'il y avait des flots d'études provenant de laboratoires comme celui de Yudkin qui prouvaient que le sucre cause les maladies cardiaques et qu'il fallait passer à l'action. En 1965, une série d'articles dans les annales de médecine interne est reprise par le New York Herald Tribune, un concurrent du New York Times à l'époque. Une pleine page dans l'édition du dimanche posait la question : est-ce le gras ou le sucre qui cause les maladies cardiaques ? Et le journal poursuivait : jusqu'à présent, le lien avec le sucre était théorique. Mais de nouvelles preuves viennent renforcer l'hypothèse du sucre coupable de déclencher les maladies cardiovasculaires. Et donc, quelques jours seulement après la parution de cet article, les responsables de l'industrie du sucre décidaient de lancer le projet 226. Il s'agissait de confier à des chercheurs de Harvard une revue de la littérature scientifique sur le sujet et de publier une critique de tous les articles liant le sucre aux maladies cardiaques. Ainsi, les politiques accorderaient moins d'importance aux études scientifiques liant sucre et maladies. Voici un échange Wixon de l'industrie du sucre écrit au professeur Hexted. Il s'inquiète de n'avoir encore rien reçu et il demande : j'espère que vous pourrez m'envoyer une première version de l'article dès que possible afin que je puisse remplir mes obligations. Et voici une lettre de la Sugar Research Foundation qui dit : merci beaucoup pour le manuscrit. Je dois vous dire que c'est tout à fait ce que nous avions en tête et nous sommes impatients de le voir publié. La publication s'est concentrée sur la question : est-ce que le sucre cause les maladies cardiaques ? Ils ont passé en revue un nombre énorme d'études accusant le sucre et les ont mises en pièces une par une en pointant la moindre faiblesse. L'article publié ne mentionnait pas le moindre financement par l'industrie du sucre. On a donc des chercheurs de Harvard, on a la très prestigieuse revue New England Journal of Medicine. L'industrie du sucre ne pouvait pas rêver moyen plus crédible pour faire passer son message. C'est bon le sucre, et ça donne de l'énergie. Ah mais ils en veulent tous, et ça a l'air de leur faire de l'effet. Quelle énergie, ils arrivent tous ensemble. Des fois ils n'arrivent pas, non ils brûlent les étapes, ils poussent vers Paris. Le Tour de France va être terminé avec 8 jours d'avance. C'est pas possible. Ils ont bouffé du sucre. Voici le texte d'une audition devant la commission McGovern dans les années 70. Le sénateur McGovern dit : j'ai l'impression que la plupart des médecins traitent un taux de cholestérol élevé en préconisant une réduction de consommation du gras et attachent peu d'importance au sucre. Si je comprends bien, vous, vous pensez que la consommation de sucre est plus significative que celle de gras. Et le docteur John Yudkin répond : oui, monsieur, en effet. Je pense que nous avons été trompés, que nous avons été poussés sur un chemin qui va s'avérer être un cul-de-sac en concentrant nos recherches sur la mesure des taux de cholestérol. Je pense que c'est seulement une petite partie, si seulement c'en est une, de l'histoire des maladies cardiaques. Sénateur McGovern, si vous aviez un patient avec un taux élevé de cholestérol, vous lui prescririez de réduire sa consommation de sucre plutôt que celle de gras.
John Yudkin. Tout à fait, c'est ce que je ferai. Sénateur McGovern, mon médecin me dit exactement le contraire. Pour prouver définitivement le rôle du cholestérol dans les maladies cardiovasculaires, alors qu'une majorité de scientifiques reste sceptique, l'Institut de la Santé américain lance en 1977 LRC, un essai clinique avec 3800 hommes au cholestérol très élevé. Un groupe test est mis au régime pauvre en cholestérol et reçoit un médicament, la cholestyramine, qui fait baisser le taux de cholestérol dans le sang. Alors on a obtenu un petit quelque chose sur les maladies cardiovasculaires, pas grand chose, une petite diminution des infarctus, mais d'une part on perdait en mortalité totale, il n'y a rien qui sortait, c'est-à-dire qu'on avait l'impression qu'il y avait plus d'accidents, d'autres causes finalement par rapport à ceux qu'on avait évités, et puis surtout c'était pas possible, les gens refusaient de manger ce truc-là, c'était une punition absolument terrible. So it's very interesting because c'est très intéressant. On a donc des hommes dans la force de l'âge, capables d'avaler tous les jours un médicament horrible, et au bout du compte, un tout petit bénéfice cardiovasculaire. Mais ce qui est publié sur la base de cette étude, c'est une conclusion bien plus large, que réduire le cholestérol fera du bien à la population américaine, et non seulement pour ce groupe-là, mais pour tout le monde au-delà de l'âge de 2 ans. J'ai ici le nombre de fois où ont été citées l'étude LRC et une étude finlandaise utilisant à peu près les mêmes méthodes, mais dont les conclusions, au contraire, montraient une augmentation de la mortalité. Je me suis aperçu que l'étude LRC a été reprise par d'autres chercheurs dans des revues médicales 109 fois la première année, 121 fois la deuxième année, 200 fois la troisième année et 180 fois la quatrième année. Tout ça appuie la campagne contre le cholestérol. Combien ont cité Metinen? Je vous le donne en mille. La première année, ils étaient 6. La deuxième année, 5. 3 l'année suivante. Et l'étude n'est reprise qu'une seule fois la quatrième année. Donc, les médecins généralistes, comment pourraient-ils suivre tout cela en détail? Ils se contentent de lire les articles positifs. Puisqu'ils sont cités si souvent, c'est donc que ça doit être la vérité. Le cholestérol, en voilà un mot qui fait peur. C'est la hantise des suralimentés qui ne savent plus qu'ils le sont. C'est la cause de la maladie la plus grave des pays développés, l'athérosclérose. Mortalité plus grande que la tuberculose, le cancer et les accidents de la route réunis, nous dit-on, disent les statistiques en tout cas. Une découverte est annoncée. Il se passe quelque chose en France d'assez spectaculaire, c'est qu'il y a une intoxication avec des pesticides qui ont été déversés sur des cultures et des cultivateurs ont inhalé ce produit et ont été malades et parmi les troubles qu'ils ont et qu'on constate à l'hôpital, leur taux de cholestérol s'est effondré. Et il y a quelqu'un qui regarde ça, qui s'appelle Cotet, qui dit « Mais bon, d'accord, c'est très grave, mais c'est intéressant quand même cette histoire. » Et il en parle à un de ses amis qui travaille dans une firme pharmaceutique anglaise qui s'appelait ICI à l'époque. Et qui lui dit, écoute, on est tombé sur ce produit, il y a peut-être moyen de faire quelque chose, puisque toi, tu essayes de faire baisser le cholestérol et tu n'y arrives pas. Et ce scientifique s'appelait Michael Oliver. Et en effet, il se dit, on va essayer de développer une molécule, un médicament, à partir de ce pesticide pour essayer de faire vraiment baisser le cholestérol. Alors l'OMS, l'Organisation Mondiale de la Santé, s'est mis de la partie, a missionné Michael Oliver pour lancer une très grande étude européenne où on allait prendre une dizaine de milliers d'hommes et puis les tirer au sort. La moitié prendrait ce fameux clofibrate qui fait baisser le cholestérol et puis l'autre moitié prendrait un médicament inerte, ce qu'on appelle un placebo. Et on va les suivre pendant plusieurs années pour voir ce qui se passe. Eh bien, croyez-moi si vous voulez, mais c'est encore un désastre. C'est-à-dire que non seulement on n'obtient aucun résultat sur les maladies cardiovasculaires, mais en plus on découvre que les gens traités font plus de calculs de la vésicule, même plus de cancer. C'est le bide total. Donc nos fibrates sont mal partis, sauf un, parce qu'il y a un laboratoire français, le laboratoire Fournier, qui a une idée assez géniale. Lui, le sien, s'appelle le Lipentil, c'est son nom de marque. Et il décide de ne pas faire d'études, ce qui est quand même très malin. Très malin, il se dit plutôt que de faire des études qui ne marchent pas, on va faire du marketing. Et donc, eux, ils montrent juste qu'ils font baisser le cholestérol et ils investissent l'argent plutôt dans les congrès de médecins, dans les congrès de cardiologues, dans la communication.
Et ce Lipentil devient finalement le leader du marché en Europe, alors que c'est le seul qui n'a pas fait d'études, ce qui montre quand même l'extraordinaire fragilité de la science médicale. Et ce produit est largement prescrit sans qu'on ait jamais prouvé qu'il diminuait d'une façon quelconque le nombre d'infarctus. The government did several studies. Le gouvernement a financé plusieurs études, et après la publication des résultats, même si elles prétendaient montrer que le cholestérol cause les maladies cardiaques, il y avait beaucoup de scientifiques qui n'étaient pas d'accord, qui étaient en colère même. Et il y a eu la réunion de ce qu'on a appelé la conférence du consensus sur le cholestérol, à laquelle tous les dissidents ont été invités pour parler, et ils ont pu le faire, mais leurs vues n'ont pas été prises en compte dans le rapport final. Leurs noms sont dans le document, mais pas leurs arguments. De sorte que les conclusions donnent l'impression que ces dissidents ont enfin vu la lumière et sont d'accord avec l'idée que le cholestérol et les graisses saturées sont les vilains. Oh, I'm worried. Why, honey? Those hunters haven't been around here in months. No, I'm worried about your cholesterol level. I don't want you to have a heart attack. But honey, I'm a doc. Heredity is only part of it. You've also got to watch what you eat, like not stuffing yourself with foods high in saturated fats and cholesterol. Watch what you eat as if your life depended on it. It does. And what comes out of this initial consensus conference is the founding. Ce qui ressort de cette conférence de consensus, c'est la création du programme national d'éducation sur le cholestérol. Cette campagne de sensibilisation doit se concentrer sur deux groupes. Les professionnels de santé, principalement les médecins, mais aussi les infirmières, les pharmaciens d'un côté, et puis d'un autre côté le grand public. Donc, on doit avoir plus de détection du cholestérol très élevé dans les cliniques. Et par ailleurs, la nécessité pour l'Américain moyen d'en savoir plus sur son cholestérol. De connaître son taux de cholestérol comme l'indicateur de son état de santé. The National Cholesterol Education Program. C'est-à-dire qu'ils avaient réussi, les tenants de la théorie du cholestérol, a imposé l'idée que, obligatoirement, la prévention des maladies cardiovasculaires, ça passait par une diminution du cholestérol. C'est extraordinaire de voir que, bien sûr, il parlait du tabac, mais le titre même du programme, c'était National Cholesterol Education Program, et encore aujourd'hui, c'est ça. Today, the Nobel Prize for Medicine went to two men. Doctors Michael Brown and Joseph Goldstein learned they were winners while attending a conference at the Massachusetts Institute of Technology. Working together since 1972, the molecular geneticists discovered that cells in the body have receptors which capture fatty cholesterol in the blood. The receptors move the cholesterol to a site which acts like a garbage disposal before the cholesterol builds up and blocks an artery. The researchers made their breakthrough studying patients like Stormy Jones, who had a heart attack when she was just six. Stormy suffers from a genetic disease which causes a shortage of receptors. On a utilisé des maladies très rares comme modèle, avec comme formule extraordinaire, qu'est-ce que le zèbre peut nous apprendre sur le cheval? Oui, Non, c'était un mauvais raisonnement. Dites pour cette conclusion. Ils en ont tiré la conclusion que c'était visiblement à cause du taux de cholestérol élevé que les jeunes atteints d'hypercholestérolémie mouraient d'infarctus. Mais ce n'est pas possible, parce qu'en moyenne, les gens qui ont ce défaut génétique vivent aussi longtemps que les gens normaux. Effectivement, il y en a qui meurent jeunes, mais il y en a peu qui meurent de cancer ou d'autres maladies, car ils sont protégés par leur cholestérol élevé. Sir. We have an obstruction in one of the main arteries. Who are they? I have a lead on the suspect. He goes by Big Fat Paulie, aka LDL, aka Bad Cholesterol. He's the leader of the cholesterol gang. They're not outsiders, they grow in the body. But when there are too many, they block the blood vessels from delivering necessary oxygen to the heart. Can we talk to him? We don't negotiate with bad cholesterol. Moi, j'ai été très impressionné par Brown et Goldstein. Et donc, je vais entreprendre d'abord en Suisse, puis au Canada avec des collègues, plutôt avec des lipidologues, des gens qui travaillent sur le métabolisme des lipides, des recherches pour essayer de montrer qu'effectivement, il y a une relation entre le cholestérol et la sévérité des maladies cardiovasculaires.
Et j'ai jamais pu montrer ça. Les habitants des rives de la Méditerranée sont moins sujets aux infarctus que les autres et tout cela provient de leur régime alimentaire, composé notamment d'huile d'olive et d'autres fibres. C'est ce qu'a découvert une équipe de médecins et chercheurs lyonnais. C'est l'étude du docteur de Lorgeril en 1999. Il a une approche très originale. Il s'est dit, et si c'était plus compliqué que ça ? Et plutôt que de faire des régimes qui font baisser le cholestérol, il a pris le problème complètement à l'envers. Il s'est dit, qu'est-ce que mangent les gens qui ne font pas d'infarctus ? Et il a identifié le régime méditerranéen, c'est-à-dire le pourtour de la Méditerranée, est vraiment un endroit où on fait très très peu d'infarctus. Les gens de moins de 75 ans font 8 fois moins d'infarctus dans le bassin méditerranéen que les Finlandais, 4 fois moins que les Écossais. C'est pas 40%, hein, c'est 4 fois moins, 8 fois moins. Donc il se passe quelque chose. Et il a regardé, en fait, ça ne correspondait pas du tout au régime anti-cholestérol. C'était une autre forme de régime, notamment l'huile d'olive, qui normalement était interdite dans les régimes contre le cholestérol, était largement utilisée par ces pays. Le fromage de chèvre ou de brebis, qui est normalement interdit puisqu'il contient des graisses animales, était utilisé par ces populations. Et même un petit peu de charcuterie. Hein. Les Espagnols, les Italiens, le sud de la France, on ne peut pas dire qu'ils ne mangent pas de charcuterie. Ils s'obstinent avec les champions du monde du non-infarctus. Et donc il s'est dit, ben, on va faire autrement. Plutôt que de faire des régimes calibrés pour faire baisser le cholestérol, on va dire aux gens, faites ce régime en effet avec de l'huile de tournesol, enfin les trucs habituels, et puis les autres, mangez méditerranéen. Et il a fait deux groupes tirés au sort, et il a obtenu un résultat extraordinaire, c'est-à-dire qu'il y a eu 50% d'infarctus en moins dans le groupe régime méditerranéen par rapport au groupe régime traditionnel. On était dans de la prévention secondaire, hein, c'est des gens qui avaient déjà fait un infarctus. Probablement, c'est cette association d'apport en huile d'olive, en huile de colza, et aussi en antioxydants naturels apportés par les fruits, les légumes, le vin rouge aussi, qui probablement a protégé nos patients. Quand même, on a entre 50 et 70% de réduction du risque. Bien, là vous avez deux réactions, on va dire, dans la communauté médicale et scientifique. Il y a toute une portion des gens qui vont dire « super, c'est formidable, c'est, voilà, c'est, on y pensait nous aussi, mais voilà, on a la démonstration, maintenant c'est bon ». Et il va y avoir une multitude d'études mises en place dans différents pays qui vont toutes confirmer nos résultats. Et puis vous avez une portion des gens qui n'acceptent pas ces résultats et notamment qui n'acceptent pas l'idée. Quand on y repense maintenant, on s'est dit qu'il faut vraiment être bloqué mentalement pour raisonner comme ça et qui nous disent c'est pas possible que ce soit vrai puisque le cholestérol est identique dans les deux groupes. Comment, je me rappelle d'Américains, de collègues américains qui me disaient « Michel, on te croit, mais on n'arrive pas à croire tes résultats. Comment peux-tu imaginer diminuer le risque sans diminuer le cholestérol ?» Bonjour. Classe de médicaments, les statines, qui inhibent la production de cholestérol par l'organisme. Les statines deviennent le médicament le plus prescrit des années 2000. 220 millions de personnes en consomment dans le monde. L'arrivée des statines, c'était absolument extraordinaire. On était sidérés. Tout d'un coup, on avait une pilule qu'on pouvait donner aux gens qui avaient eu un infarctus. Et puis, ça diminuait la mortalité, le risque de récidive, etc. C'était fabuleux. Et ça, on a acheté ça d'emblée. L'étude Woscop a été faite chez des Écossais à haut risque, hein, hypertendus, gros fumeurs, des gens qui avaient un très fort taux d'infarctus. Et on leur a fait prendre un médicament qui s'appelle la pravastatine, et enfin, tiré au sort en deux groupes. Le premier prenait la pravastatine, l'autre prenait un placebo, et on a comparé les morts par cardiovasculaire. Et on a eu 30% de diminution de mortalité cardiovasculaire. C'est la première fois qu'on obtenait ça, où on a vraiment eu un effet net et significatif. Et dans le même temps, l'autre étude, qu'on appelle l'étude 4S, a été faite avec la simvastatine, qu'on appelait Zocor, sous son nom de marque, et qui a été donnée à des gens qui avaient déjà fait un infarctus. Et en deux groupes, pareil, tiré au sort, la moitié le médicament, l'autre moitié un placebo, 30% de récidive d'infarctus en moins dans le groupe qui prenait la simvastatine par rapport au groupe qui prenait le placebo. Donc, les cholestérosceptiques dont j'étais ont été terrassés par ça, si vous voulez. Il n'y avait rien à dire, quoi. C'était échec et mat. Moi, par exemple, en tant que médecin, je les prescrivais, y compris dans ma famille. Je ne pouvais pas intellectuellement remettre en question des essais cliniques publiés dans des grandes revues internationales. Il me paraissait inconcevable que des investigateurs trichent ou bien se trompent au point de tromper toute la communauté médicale. C'est ce qu'on appelle la revue par les pairs.
En principe, si c'est publié dans une grande revue, ça a été vérifié par des gens compétents et donc on est, c'était ma façon de voir les choses, obligé d'y croire. 85% des essais cliniques et même 97% des essais les plus importants sont sponsorisés par les labos privés. Or, on a calculé qu'il y a 5 fois plus de chances qu'on trouve un effet positif au médicament lorsque l'essai est financé par un laboratoire privé, comparé à un essai sur le même médicament financé par un institut public. C'est pas mal comme augmentation des chances. On a tendance à considérer que les études scientifiques sont objectives. Mais quand on regarde la manière dont tout le système est organisé, on réalise que les firmes privées conduisent les essais cliniques pour promouvoir la vente de leurs médicaments. Et les informations scientifiques leur appartiennent. Tout comme la recette du Coca appartient à Coca-Cola. Donc à l'époque, malgré les doutes qu'on avait sur certaines études qui n'arrivaient pas à reproduire les résultats initiaux, sur le fait que le médicament était aussi efficace chez des gens qui n'avaient pas de cholestérol que ceux qui en avaient, il y avait quand même personne ou presque qui osait s'opposer ou en tout cas se poser des questions. On était face à un marché, les statines, qui se comptaient en dizaines de milliards de dollars. Donc quelqu'un qui émettait un doute sur les statines dans un congrès médical, un cardiologue, il avait peu de chances d'être réinvité, si vous voulez. Donc fallait être suicidaire pour aller critiquer les statines. Et puis, il n'y avait pas beaucoup d'éléments scientifiques non plus, puisqu'on avait eu ces résultats quelques années avant qui marchaient. On était face à un fléau mondial. Et donc, c'était des statines pour tout le monde. La jeune fille sous pilule dont le cholestérol augmente, la petite dame de 85 ans qui avait un petit peu de cholestérol. Enfin, c'était vraiment l'open bar pour les statines partout, quoi. Et au grand bonheur des sociétés savantes qui avaient des partenariats, des médecins qui, du coup, pensaient faire leur devoir en prescrivant un médicament qui allait protéger leurs patients, et aux patients qui eux-mêmes étaient demandeurs, parce qu'on leur avait appris à se préoccuper de leur cholestérol. Tout le monde disait « Docteur, vous mettez bien le cholestérol dans mes analyses », parce que les gens voulaient connaître leur taux de cholestérol, et c'était pas facile à l'époque d'émettre un doute sur l'intérêt du médicament. Bon anniversaire. 20 ans déjà. Mmh. Tu te souviens de notre premier rendez-vous ? Et là, je me suis réveillée. Un cauchemar. Vous pensez être en bonne santé, pourtant un excès de cholestérol dans votre sang peut provoquer un accident cardiovasculaire. Faites doser votre cholestérol et demandez conseil à votre médecin. Bonjour, j'aimerais prendre rendez-vous. Pour plus d'informations, 0810 741 741. C'est le matin. Et vous écoutez France Inter. Martin Vinclair, bonjour. Bonjour Fabrice, bonjour tout le monde. Alors, cette question ce matin, quel message terroriste peut-on voir en ce moment à la télévision ? Oui, un soir au restaurant, un homme et une femme fêtent leurs 20 ans de bonheur. Toujours est-il que brusquement, l'homme s'effondre et se voit mort et enterré sous le regard éploré de sa jeune veuve. Ce spot a été commandité par l'ARCOL, une association pour la recherche sur le cholestérol, dont le conseil d'administration comprend une belle brochette de pontes de la médecine et dont les activités sont ouvertement subventionnées par plusieurs grands laboratoires. La manipulation vise ici, dans le spot, à provoquer l'angoisse des femmes, qui inciteront leurs hommes à aller consulter, et à culpabiliser les hommes, qui seraient vraiment très cons de mourir sous les yeux d'une beauté pareille, et vraiment salaud d'abandonner l'enfant blond qui saute sur le lit à la fin du message. Mais face à des hommes angoissés, qu'est-ce qui est le plus facile pour des médecins aujourd'hui surchargés de travail ? Conseiller un régime et l'arrêt du tabac ou faire avaler un traitement ? Et surtout, qu'est-ce qui est plus rentable pour l'industrie ? Le produit phare du laboratoire Pfizer, vous savez ce que c'est ? Allez, je vous donne un indice, c'est pas de l'huile d'olive. Le fait d'avoir critiqué cette campagne ne lui a pas réussi, ça s'est pas bien passé pour lui. Il a été limogé, comme on dit, c'est-à-dire qu'on lui a demandé de ne plus assurer ses chroniques. Et alors, de façon incroyable, l'industrie pharmaceutique a obtenu un droit de réponse sur France Inter. Un droit de réponse pour avoir été injustement mis en cause par le chroniqueur. Donc vous voyez où est-ce que ça allait, quoi. C'était quand même... Encore une fois, un médecin qui aurait osé critiquer les statines ou la lutte contre le cholestérol en tant qu'orateur dans un congrès était certain que sa carrière se stoppait. En 2004, un scandale éclate avec un anti-inflammatoire, le Vioxx, responsable de 30 000 morts aux États-Unis. La justice met à jour que le laboratoire connaissait les effets potentiellement mortels de son médicament et les a sciemment cachés. On est au milieu des années 2000 où tout d'un coup on se rend compte que l'industrie pharmaceutique et les investigateurs travaillant pour elle peuvent raconter des histoires. Et ça a été une terrible surprise.
Oui, il pouvait exagérer les effets bénéfiques des médicaments et cacher les effets toxiques. Alors on avait déjà des doutes, mais à ce moment-là, on s'est dit « oulala, il faut retourner voir les études anciennes ». Et puis le deuxième phénomène qui s'est passé, et qui est très très important, c'est que les autorités sanitaires ont imposé de nouvelles réglementations pour les essais cliniques. Ça a concerné donc toutes les études avec les statines qui sont publiées, conduites après ce scandale du Vioxx, donc à partir de 2005-2006, jusqu'à maintenant d'ailleurs. On s'est rendu compte qu'il y avait un problème avec les essais qui avaient été conduits avant le scandale 2005-2006. Donc il y a eu un double mouvement. D'une part, on s'est rendu compte qu'on pouvait être trompé. Et d'autre part, à partir de ce moment-là, tous les essais cliniques avec les statines se sont avérés négatifs. C'est-à-dire qu'ils ne montraient plus aucun bénéfice. Ni les doutes sur les premières études sur les statines, ni l'impossibilité de reproduire les résultats positifs ne peuvent enrayer l'obsession anti-cholestérol. Le dogme s'impose, plus le taux est bas, mieux c'est. Quand je me suis installé en 1985 comme cardiologue, le taux normal était autour de 3 grammes par litre. Et puis, depuis que je suis installé, ce taux a baissé tranquillement et il est maintenant en dessous de 2. Ce qui, naturellement, fournit de plus en plus de gens qui sont à soi-disant cholestérol élevé. Et puis, on a introduit un deuxième élément qui était qu'il fallait en particulier traiter les gens qui sont à risque élevé. Les taux dans le sang, les taux circulants, varient en fonction des besoins des différents organes qui utilisent le cholestérol. Alors, ces taux varient en fonction de différents facteurs, on va dire le sexe, homme-femme, l'âge. On a des besoins circulants plus importants quand on vieillit, en fonction de l'activité physique, en fonction de la saison, etc. Un taux normal de cholestérol pour un adulte en bonne santé varie entre 2 et 3 grammes par litre environ. On voit bien que comme il ne faut pas que ce soit trop bas ni que ce soit trop haut, parce qu'il y a toujours une moyenne avec une... On mesure que l'idée qu'il soit le plus bas possible ne répond à aucune exigence, si je puis dire, physiologique ou médicale. C'est une idée absurde qui vise simplement à encourager la consommation de médicaments. Now medical information comes along that says you may need to get that bad cholesterol even lower. Now what do you do? Well, if your doctor says aim lower, ask about Crestor. Crestor, along with diet, can lower bad cholesterol by up to 52%. And in the cholesterol guidelines, la grande révision des recommandations concernant le cholestérol en 2001 aux États-Unis a été élaborée par un panel d'experts et on a appris que 9 de ces 14 experts avaient des intérêts financiers avec l'industrie pharmaceutique. C'est très important de le savoir, parce que ces préconisations de 2001 ont quasiment triplé le nombre d'Américains devant prendre des statines. Ce nombre est passé de 13 à 36 millions, et la plupart de ces 23 millions de nouveaux patients prenant des statines n'avaient pas de maladie cardiaque. Il y a là un étrange paradoxe. J'aimerais m'arrêter un instant sur ces termes que nous utilisons. Normal, pathologique. Quand quelque chose est pathologique, il y a clairement une maladie. C'est facile quand on a quelque chose comme le choléra ou la tuberculose. Il y a des lésions caractéristiques et des germes qu'on peut cultiver. Ça devient beaucoup plus compliqué quand on a un continuum avec des plaques d'athérome qui sont présentes dans à peu près tous les organismes de plus de 40 ans. There's a big reason to lower high cholesterol. Dangerous plaque that can build up in arteries. It's called atherosclerosis, or athero, and high cholesterol is a major factor. But Crestor can help slow the buildup of plaque in arteries. Go to arterytour.com and take an interactive tour to learn how plaque builds up. Alors, ce qui est très important de comprendre dans l'athérosclérose, c'est-à-dire les lésions qui se forment dans les artères, c'est que, en fait, ce sont des plaques. Et si on image une artère comme un tuyau, une plaque se développe de manière localisée dans le contexte d'une artère qui est normale. Et à un endroit déterminé, eh bien une sténose se développe. En général, c'est asymétrique, c'est un petit peu comme ça que ça se passe. Et donc, vous avez là une difficulté pour le sang de passer à travers un rétrécissement qui est une plaque d'athérosclérose. Alors maintenant, si on fait une coupe dans ce sens-là,
ça. Et ici, c'est la lumière de l'artère, là. Alors, le sang arrive à passer là parce qu'il y a une forte pression. Mais si c'est sténosé, c'est parce que cette plaque d'athérosclérose ici, elle est formée de tissus très durs, comme du bois. Chez certains patients, il y a des dépôts de calcium le long de la lumière de l'artère. On a un autre processus de calcification. Ce sont comme des épines qui peuvent entraîner une rupture et provoquer ce qu'on appelle un thrombus à l'intérieur de la plaque. Il peut progresser, ce thrombus, et aboutir à une obstruction totale de la lumière de l'artère. Et ça, c'est l'infarctus. Et avec le temps, il y a certaines vieilles plaques d'athérosclérose qu'on voit surtout chez les gens à l'autopsie, évidemment, quand ils sont âgés. On a des cristaux de cholestérol ici. Et paradoxalement, alors que ces dépôts de cholestérol sont la conséquence d'une dégradation de la plaque d'athérosclérose, certains ont voulu en faire la cause. À la fin des années 90, de nombreux cardiologues disaient, à moitié en rigolant, que la statine devrait être ajoutée à l'eau du robinet. Ça se voulait drôle, mais à moitié seulement. Bien sûr, cela faisait sourire. Mais derrière, il y avait cette conviction que c'était tellement efficace pour lutter contre les infarctus et les AVC dans l'ensemble de la société, que même si certains avaient des effets secondaires indésirables, cela vaudrait quand même la peine. Ce serait une amélioration de la santé pour une majorité d'Américains. Il y a une chose aussi qu'on oublie souvent, c'est que le cholestérol, ce n'est pas du poison qui circule dans les artères. Le cholestérol, c'est une graisse fondamentale pour la fabrication de nos cellules. On ne peut pas vivre sans cholestérol. Sans cholestérol, on meurt. Donc, le but, ce n'est pas de faire baisser le cholestérol comme on ferait baisser de l'arsenic ou du cyanure dans le sang, si vous voulez. C'est un produit ou une famille de produits qui ont des rôles métaboliques très précieux. Et donc, quand on touche à ces équilibres, quand on déplace quelque chose pour essayer de protéger le cœur, on peut très bien altérer d'autres chaînes métaboliques fondamentales, que ce soit dans le domaine du cancer, des maladies auto-immunes, de plein de domaines. Et donc, il y a un risque majeur à chaque fois de déshabiller Pierre pour habiller Paul et de se retrouver à avoir baissé le taux de cholestérol, voire peut-être parfois améliorer les maladies cardiovasculaires et augmenter d'autres maladies. Il faut qu'on m'explique. Après 2 millions d'années d'évolution de l'être humain, pourquoi est-ce qu'il y aurait un mauvais cholestérol et un bon cholestérol? Je veux dire, ça veut dire quoi? Ça veut strictement rien dire. Les deux cholestérols, s'ils sont sécrétés par le foie depuis 2 millions d'années, c'est qu'on a besoin des deux. Maintenant, deuxième chose, qu'est-ce qui fait que ça monte et que ça descend, ces différentes choses? Si je prends le HDL, ce qu'on appelle le bon cholestérol, ce qui le fait monter, c'est l'activité physique. Et c'est clair que l'activité physique pendant les dernières 10 000 années était très élevée chez tous les hommes, et ils avaient un HDL certainement plutôt élevé. Mais ce n'est pas le HDL élevé qui est protecteur, c'est l'activité physique qui fait qu'on tombe moins malade. Le LDL, c'est exactement la même chose, mais dans le sens contraire. C'est que simplement, on consomme moins de LDL quand on est sédentaire, par exemple, donc il s'élève un petit peu. Mais c'est de nouveau la sédentarité qui me tue. I'm taking the Uncle Toby's Oats Cholesterol Challenge for 6 weeks. Because eating Uncle Toby's Oats every day as part of a healthy diet can help lower cholesterol reabsorption. So join me in the Uncle Toby's Oats Cholesterol Challenge! Let's take it on! J'ai vraiment commencé à me poser des questions, c'est en voyant arriver justement ce que j'appellerais l'exemple caricatural d'une femme de 48 ans, mais vraiment en parfaite santé, faisant du sport, mais vraiment de la bonne qualité, de la bonne marche, qui mangeait mieux que moi, qui n'a jamais fumé de sa vie, qui prenait aucun médicament, qui n'avait aucun symptôme. Et au bout de 20 minutes, je lui pose justement la question évidente, c'est très sympathique de vous avoir là, mais pourquoi vous êtes là? Ah, parce que j'ai du cholestérol. Et je dois prendre, on m'a dit que pour le restant de ma vie, je dois prendre une pilule. Et c'est là que je me suis dit, là, il y a quelque chose qui ne joue plus. C'est pas possible, parce que cette femme, elle avait alors très facilement 45 ans de vie statistiquement devant elle.
Et je vous ai dit ça. Et puis surtout, ce qui m'a dérangé, c'était l'aspect de nouveau à la docteur Knock, c'est-à-dire que cette femme qui ne souffrait pas commençait à souffrir parce que, mentalement parlant, on lui avait fait comprendre que quelque chose n'allait pas. Certain foods are high in saturated fat. This is the average amount of saturated fat a person consumes in a month. If you eat too much of this, then over time fatty deposits could build up in your arteries, and this increases your risk of heart disease. If saturated fat can clog this pipe, imagine what it's doing to yours. Maintenant, on a des techniques d'imagerie extrêmement sophistiquées qui permettent de mesurer la quantité de calcium qu'il y a dans les artères. On fait même des scores calciques et il y a des investigateurs qui disent que c'est un bien meilleur prédicteur de l'accident cardiovasculaire que le cholestérol. Alors je vous le donne en mille, quels sont les facteurs associés avec un score calcique élevé? Premièrement, le diabète. Deuxièmement, l'insuffisance rénale, ou la tendance à l'insuffisance rénale. Troisièmement, avoir un cholestérol bas, spontanément. Quatrièmement, prendre des statines. Alors, vous avez sous les yeux, si je puis dire, un truc qui est épouvantable pour les défenseurs des statines. Comment peut-on à la fois dire que les statines diminuent le risque cardiovasculaire, ce que je conteste, et en même temps accepter l'idée que les statines augmentent le score calcique, qui est considéré par certains comme le meilleur prédicteur de risque cardiovasculaire. Ça, là, c'est incompatible. Si usted ha sufrido o sufre de colesterol alto y su médico le recetó o le ha recetado Crestor, es muy probable que usted tenga varios efectos secundarios, como por ejemplo, diabetes tipo 2. Si usted o un pariente ha consumido Crestor y ahora tiene diabetes, llame ya y pida una cita con el abogado Nick Pacheco. Après des années de prescription massive de statines, des milliers de patients se plaignent d'effets secondaires graves, au point qu'aux États-Unis, des cabinets d'avocats proposent leurs services à la télévision pour les défendre. Les effets secondaires apparaissent tardivement, pas immédiatement. Le corps tente de combattre la baisse du taux de cholestérol. Il essaie de produire plus de cholestérol. Et cela peut prendre des mois, 6 mois, avant l'apparition des effets indésirables. Et à ce moment-là, la plupart des gens ne comprennent pas que ce sont les statines qui en sont la cause. Tous ces symptômes sont similaires à ceux qui touchent les personnes âgées. Donc, si un homme va voir son médecin en lui disant « Il y a quelque chose qui ne va pas dans mes muscles, ils sont douloureux, je suis devenu si faible. »« Quel âge avez-vous ? » lui demande le médecin. « J'ai 78 ans. »« Eh bien, voyez-vous, c'est ce qui arrive à tout le monde quand on vieillit. La vue baisse, les muscles faiblissent et on perd la mémoire. » Et on oublie que cela peut venir des médicaments. Nous avons publié une étude sur les effets secondaires des statines avec 171 sujets. Certains sont vraiment spectaculaires et troublants. C'est le cas de ce professeur à la retraite, un QI supérieur à 180, qui a été dépisté par deux hôpitaux universitaires comme ayant une forme rapide de maladie d'Alzheimer. Au point qu'il est allé à la réunion des 50 ans de sa promo, avec une pancarte autour du cou disant « Je m'appelle un tel et j'ai la maladie d'Alzheimer », de sorte que les gens pouvaient comprendre pourquoi il répétait toujours la même phrase et pourquoi il ne reconnaissait pas des visages qu'il connaissait depuis des décennies. Il ne pouvait plus lire une page de texte parce qu'il ne se souvenait pas de ce qu'il venait de lire, et sa femme a décidé de lui arrêter la simvastatine. Puis il a passé une batterie de tests pour participer à un essai de médicaments contre la maladie d'Alzheimer. Et là, on lui a dit que non seulement il n'avait pas la maladie d'Alzheimer, et qu'il ne souffrait pas même de démence. Selon ses dires, il lui a fallu 2 ans pour récupérer complètement, et il peut de nouveau lire chaque jour ses journaux, le New York Times, le Wall Street Journal et le Washington Post. Un autre exemple, ce sont tous les effets secondaires liés aux perturbations dans le cerveau. Il y a en effet beaucoup de problèmes, comme la perte de mémoire, plus ou moins totale, l'irritation, l'agressivité, la dépression, et beaucoup d'autres symptômes.
Les rapports ne les mentionnent pas parce qu'on les divise en petits groupes. Il y a un patient dont la mémoire faiblit, un qui devient carrément amnésique, il y en a un qui se révèle colérique, un qui est déprimé, quelques-uns qui se suicident. Mais il n'y en a pas beaucoup dans chacune de ces catégories. On oublie que tous ces symptômes proviennent de l'altération des fonctions du cerveau. Mais on les divise en petits groupes pour que ça représente moins d'un demi pour cent. Et ainsi, on n'a pas besoin de les mentionner sur les notices. Mais des chercheurs indépendants ont montré que ces symptômes neurologiques sont très courants. Attention women who use Lipitor, stand by for an important message. A medical study in the Archives of Internal Medicine reported that postmenopausal women who used Lipitor were 48% more likely to develop diabetes than women who did not. If you or a loved one started taking Lipitor before February 2012 and were diagnosed with type 2 diabetes, you may be entitled to money damages. Les statines, les médicaments anticholestérol, en général, passent la barrière hématoménagée, c'est-à-dire rentrent dans le cerveau et vont perturber la synthèse du cholestérol dans le cerveau. Et ça, c'est un effet secondaire adverse terrible parce qu'il a été complètement négligé jusqu'à récemment. Et c'est vraiment sous la pression de certains médecins, de certains toxicologues, que les autorités sanitaires ont admis qu'effectivement, les statines entraînaient des troubles de la mémoire, entraînaient des troubles du sommeil, donc entraînaient une neurotoxicité. Alors c'est complètement sous-estimé aujourd'hui, et encore, malheureusement, alors que c'est un facteur toxique majeur. Il ne faut pas oublier que la maladie d'Alzheimer, ça commence aussi par des troubles de la mémoire, par des troubles du sommeil. Et donc on peut dire que les statines, alors on aurait besoin d'études supplémentaires, c'est bien sûr, mais on a l'impression aujourd'hui que les statines, c'est comme si elles nous poussaient vers la maladie d'Alzheimer, d'autant plus que les statines sont aussi des substances diabétogènes et que le diabète est un facteur de risque majeur pour développer une maladie d'Alzheimer. On dit même que la maladie d'Alzheimer, certains disent que la maladie d'Alzheimer, c'est un diabète de type 3. Les grands experts, en particulier un groupe anglais qui font des études sur le cholestérol, ces grands experts qui nous ont dit pendant très 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 longtemps, mais non, mais il n'y a pas d'effet secondaire, mais enfin... Alors maintenant, l'un d'entre eux a quand même admis que, oui, il y avait probablement une augmentation du taux de diabète. Et on est en train, tranquillement, d'avoir de plus en plus d'effets secondaires qui sont mis en évidence. Pourquoi ? Un, parce qu'avant, on n'en tenait pas compte. Et deux, les gens en prennent maintenant depuis 10-15 ans et que ces effets sont là. Ce graphique, qui est extrait d'un article publié en 2004 dans le British Medical Journal, donc un journal tout à fait sérieux, on a les années ici, et puis on a l'incidence, ou disons le nombre d'hospitalisations pour infarctus au Royaume-Uni, en rouge. On voit que la courbe est plate concernant les infarctus. Par contre, il y a une explosion, littéralement, de la prescription de statines. Évidemment, si les statines étaient efficaces sur la prévention de l'infarctus, et bien on aurait vu une diminution des infarctus, des hospitalisations pour infarctus. Autrement dit, la droite rouge aurait croisé la droite de prescription des statines. Vous voyez, c'est pas du tout ce que l'on voit. Good morning. You know, this is big news for people with high cholesterol who are on statins but have still not been able to lower their bad cholesterol enough. This new class of drugs, it works in an entirely different way. And the new studies show it can lower bad cholesterol in these people an additional 60%. That's huge. But the drug isn't for everyone. It needs to be given by injection every 2 to 4 weeks, and almost 30% of the people in the study had to drop out. Bigger studies are being done now to determine whether these drugs truly reduce the risk of heart attack and stroke, which is really what we're after, and whether they're safe. However, we've been talking to cardiologists all weekend. They're very excited about these drugs, and the FDA is expected to rule on an application for approval later this year.
Il y a ceux qui veulent commercialiser des nouveaux médicaments qui font baisser le cholestérol, et c'est eux qui ont le pouvoir. C'est eux qui ont à la fois les moyens financiers pour imposer, pour faire durer cette théorie. Ils ont aussi les relations politiques, administratives, etc. Et puis vous avez un autre petit monde qu'on pourrait qualifier d'alternatif, qui dit non, là, la plaisanterie est finie. Maintenant, on a suffisamment de données scientifiques pour dire que c'est pas vrai. Et donc ça, ce petit monde est en train de gagner, en fait, parce que, vous savez, c'est la querelle des anciens et des modernes. Les modernes finissent toujours par gagner. Là, il suffit d'attendre le renouvellement des générations. Mais la bataille va être dure. Vous connaissez votre taux ? Quel taux ? De cholestérol. Oui. J'ai fait les analyses pour une émission. Ils sont sur mon site ? Non. Pas la moindre idée. Je fais partie d'une famille touchée par l'hypercholestérolémie. Mon taux est entre 7 et 8. Je crois que je m'en fous. Je ne sais pas ce qu'il est aujourd'hui. Mon cholestérol est à 1,89. J'aimerais qu'il soit plus élevé. Alors oui, je le connais. Parce que mes patients me demandent. Non. En fait, non. Je ne connais pas mon taux. Un de ces jours. Je devrais, mais je ne le connais pas. Pourquoi devrais-je ? Ça n'a aucune incidence. Je ne connais pas mon taux de cholestérol. Ou disons plutôt que je l'ai oublié pour des raisons diverses. Je l'ai refoulé.